Eh bien, yo les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série. Jeu 2, oui, 2 de notre série. Donc, je crée ma map. Et donc, comme vous avez pu le voir dans l'off, j'ai fait un. Ah non, c'est l'épisode 3, pardon, ça y est, je m'en vais. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'off, j'ai bien avancé. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur. Vous voyez, hein, j'ai commencé donc à faire un lotissement. Ça fait des détails. On a une vieille maison que j'ai faite, enfin non, c'est pas faite mais genre prévenise, et j'ai commencé donc à faire un lotissement. Alors ça, je pense que je vais y enlever, je vais changer, enfin non, je vais pas y enlever, je vais les garder, je vais faire ça plus propre, mais ça on va garder. Faut que je mette l'herbe un peu plus devant, histoire de faire plus beau. Et là ici on mettra un parking. Donc ça, c'est pour le moment, c'est ce que j'ai fait de ce côté. Et ensuite, bon bah, j'ai prolongé la route des deux côtés. Et puis j'ai fait un peu de un bois, j'ai boisé ici, et puis j'ai installé tout simplement une zone plus une petite zone pas industrielle, mais enfin, un endroit où il y a un petit peu de tout. Vous voyez, il y a un Leclerc, il est sorti il y a pas longtemps, donc je l'ai mis. Il y a une station essence et en face il y a un car wash avec un camion en train de livrer. Alors je veux voir un truc. Il y a un escalier, ah il est là. Attendez, Shift 4. Donc vous voyez, il y a des locaux et tout. Ouais, ils sont équipés en Mac. Enfin, c'est sympa, il y a de quoi faire. Mais on a donc un Leclerc, j'installe une station essence et le car wash qui est en face. C'est fonctionnel. Enfin, sauf celui-là, je crois qu'il marche pas. Il marche pas, c'est pas grave. Et donc ici, bah je vais installer donc une zone de chantier pour faire genre ça va se prolonger un peu plus tard. Il faudrait que je m'occupe de faire le milieu du rond-point, et puis ici pareil, un peu boisé, et puis mettre des champs. Sinon, du côté là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé toutes les routes parce que je pense pas aller jusqu'à là-bas. Pour le moment on va rester sur cette zone là. J'ai fait quoi d'autre? J'ai pas fait grand chose sinon. On voit pas, mais j'ai un mode donc qui fait des traces, mais je sais pas, des fois ça les fait, des fois ça les fait pas. Faut que je termine de passer le labour aussi, de faire les champs. Enfin bref. Et si, bon bah il y a là ce qu'on avait fait dans le dernier épisode. Ah bah tiens, il est là, celui que je me disais, il en manque un. Il y a le. Donc la baie. Abattoir. D'ailleurs, je sais, ça s'écrit pas comme ça, j'ai vu l'écriture, mais qui est pas corrigé, je m'en occuperai plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est bah déjà, on va commencer, hop. Alors, hop, clic souris. Je vais mettre en shift 0 et on va dégager un petit peu tout ça. Alors, je vais enlever aussi ça, comme ça, je vais pouvoir voir ma main. Oula. Alors, on va installer les cônes. Alors, peut-être pas là, peut-être plus à partir de là. Mais je pense que j'en ai pas pris assez. Il n'y en aura pas assez, je pense. Putain. J'en aurais pas assez, ouais. Je vais un peu tout sortir. Quoique. Si, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Hop là. Celui-là, on va le caler. Doucement. Oh.
Et le dernier. Tac. On va le prendre et le caler juste là. Voilà, on a à faire ça. Donc là, ça va faire genre une petite entrée pour passer vite fait. Pour ça, bon, bah, c'est pas grave, hein, je prends. J'ai des cônes comme ça. Les caler un petit peu partout. Vous voyez, de chaque extrémité. Comme ça. Alors, on va s'occuper de mettre les panneaux de signalisation. Alors, on va en caler un ici. Comme ça. Faut que j'aille en caler un de l'autre côté. Oh, c'est pas lui, on va aller le caler là-bas. Ouais, c'est bon. Ici, il en reste 2-3. Il est où, là? Il faut que j'aille le caler tout là-bas. Excusez-moi, alors oui, désolé, petit retour, j'ai fait un touche rémanente. Donc ça m'a quitté le jeu, attendez que je revienne. Putain, j'avais oublié que ça existait, cette touche. J'ai appuyé 5 fois de suite sur la touche Shift, et bah, du coup ça le fait pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il nous reste bah, 2 panneaux à caler. Les autres, je vais les garder dans le camion. Donc, un sortie de camion. Alors, généralement, ils sont censés être placés au niveau bah, de là où il y a par exemple écrit qu'il y a le travaux qui arrivent. Hein. Je suis censé en mettre 3, mais bon. Faut les caler, faut les prendre, c'est chiant. On va plutôt les caler là. Et un. Route barrée. On va venir, si je veux bien, caler. Alors, là. Voilà. Ça passe peut-être pas tout. Quoique, non, pas là. Là. Comme ça. Ici, hop. Voilà, ça c'est bon pour ça. Nous, ce que je vais faire, c'est que je vais. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire ça. On va bouger la benne. Je vais la caler d'une autre façon. Alors vous voyez, regardez, quand je vais venir, voilà. Ça va faire des traces de pneus, c'est un mode qui est sorti il n'y a pas longtemps. Comme ça. Ensuite, on manœuvre et on sort de là. Faudra pas venir avec des semis hein, en tout cas, parce que ça peut se passer. Voilà.
On va enlever les warnings et on va venir le créer. On va les ranger dans le dossier. Ici. Voilà. Pour le moment, je vais le laisser là. Le Peugeot Expert, lui, on peut le laisser. Je vais le bouger à la main, mais bon. Le garer comme ça là de, bah, devant le conteneur, enlever les warnings et donc bah moi je vais faire un peu de détails, je vais faire des talus de sable, il faut que je m'occupe d'aménager le milieu du rond-point, je fais quelques détails et on se retrouve après, allez à amis, j'ai fait un peu de détails donc bon, fait chier, hein, il y a des grosses traces comme ça. Ça faut que je règle parce que, genre, c'est un mode, mais moi sur le mode, j'ai vu ça mettait les traces de pneus, ça mettait pas une texture de la de cultive. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la pelleteuse là, j'ai fait un tas, enfin, non, il y en a deux, des tas de terre, et j'ai fait les futurs tracés de route. J'ai vraiment pas fait grand chose, hein. J'ai pas encore aménagé le milieu du rond-point, je sais pas ce que je vais mettre. Et j'ai placé cet hangar qui va en vrai bien ici, où dedans j'ai mis du matériel et puis où j'ai mis le man en attendant. Ça peut faire un petit endroit, après faudra l'aménager, faudra mettre des arbres autour, histoire de faire un peu comme on peut voir à certains endroits dans la campagne, des bâtiments où il y a un petit peu de vieux matériel stocké dedans, qui est là depuis quelques temps. Mais il est vraiment propre ce bâtiment. Hein. Il a plein de détails. Et surtout, on peut venir ici. Bon, là, c'est mon camion, mais on peut stocker de la paille ici. Donc, ça permet de faire un bâtiment de stockage. Sinon, donc, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà un bel épisode. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, pareil, j'essaierai de faire la semaine prochaine un gros off où je vais essayer d'aménager un peu là, cette zone-là, et avancer l'échange, je pense que je ferai ça en off, mais pas en orec, simplement. Bon allez les amis, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, allez, ciao tout le monde!